Bonjour les enfants, c'est l'amour à Rivka. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très spécial. La terre d'Israël. Aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont très joyeux et qui font la fête. Ils font la fête parce que ils sont très contents que Hachem nous a donné la terre d'Israël. Depuis 72 ans, il y a beaucoup de juifs qui sont retournés habiter en Israël. Et tous les pays du monde, ils disent qu'Israël, il appartient aux Juifs. Israël, c'est le pays que je suis en train de vous montrer. Mais nous, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on sait qu'Hachem nous a donné à nous la terre d'Israël. Et je vais vous raconter pourquoi. Il y a longtemps, Hachem, il avait trouvé qu'Abraham avait nous, notre ancêtre. Il était vraiment spécial. Il écoutait tout ce qu'Hachem disait. Et surtout, c'était le seul à dire qu'il y avait un Dieu sur la terre. Alors Hachem lui a donné deux cadeaux. Essayez de compter les étoiles. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Eh bien, c'est un des cadeaux qu'Hachem a donné à Abraham Avinu. Il lui a dit, Abraham Avinu, je te donne autant d'enfants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu en auras plein, plein, plein. Et chaque étoile, c'est un juif. Hachem, il a donné à Abraham Avinu plein d'enfants juifs. C'est toute la descendance d'Abraham, tous les enfants, les juifs. Et Hachem, il a dit, tu vois, à ces enfants juifs, eh bien, je donnerai un deuxième cadeau. C'est la terre d'Israël. Chaque personne juive, elle a un morceau de la terre d'Israël qui lui appartient à elle. Il est où Israël, vous savez ? Eh bien, si vous vous rappelez, on avait appris en géographie à l'école l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Par ici, les enfants, se trouve Israël, notre terre à nous. C'est la terre qu'Hachem nous a donnée. C'est ici. Donc nous, on est en France, on doit prendre l'avion, traverser la mer pour pouvoir aller en Israël. Et quand on arrive en Israël, on est très heureux. Parce qu'Hachem, comme c'est sa terre préférée, il l'a bénie avec plein de belles choses. D'abord Hachem, il l'a bénie avec 7 fruits d'Israël. Le blé et l'orge, la date et la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Ces 7 fruits-là, Hachem il les a bénis en Israël encore plus que dans le monde entier. Ils sont magnifiques, ils sont très beaux et on peut les manger et les déguster. C'est les plus beaux de la terre d'Israël. Hachem, il a fait plein de cadeaux, hein. Il a donné la terre d'Israël au peuple juif. Il a donné les 7 rues d'Israël à la terre d'Israël pour qu'on puisse les manger. Il a donné une grande descendance à Abraham Avinu. Merci Hachem. Et vous savez, les enfants, la terre d'Israël, il y a beaucoup de juifs qui ont dû se battre pour la récupérer. Il y en a beaucoup qui voulaient la terre d'Israël, mais Dieu il a décidé de nous la donner à nous. Alors pour tous ceux qui se sont battus pour qu'on ait la terre d'Israël, merci. Par exemple, au début, quand les Juifs sont arrivés d'Égypte, ils ont dû se battre pour avoir la terre d'Israël avec Yehoshua, celui qui est venu après Moshe Rabbeinu. Et encore dernièrement, les Juifs ils doivent se battre pour garder la terre d'Israël parce que tout le monde veut leur prendre tellement elle est belle, tellement elle est jolie. Alors comment on peut faire pour la garder? Eh bien c'est bien, voilà comment on peut faire. On va faire des mitzvot. On fait la brit mila au bébé qui naissent. On fait bien la bracha avant de manger les fruits et les légumes. Et quand Mashiach reviendra, tous les juifs y retourneront habiter en Israël. Et on pourra réoffrir des animaux, des korbanot à Hachem. Qu'est-ce que ce sera bien! Et le Beth Amikdash sera reconstruit et on pourra tous aller dans la maison d'Hachem. Ah ! Pourquoi il y a des yeux ? Je vais vous le dire. Eh bien parce que la terre d'Israël, Hachem il la surveille du début de l'année à la fin de l'année. Toujours, 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 les yeux d'Hachem, ils surveillent la terre d'Israël pour que tout aille bien. Parce qu'Hachem il adore le peuple juif et Hachem il adore la terre d'Israël qu'il a donnée à son peuple juif. Et il adore la Torah qu'il a donné au peuple juif pour qu'on puisse faire la Torah en Israël, le peuple juif tous ensemble. L'Israël, il a aussi un drapeau. C'est un drapeau très rigolo. Il a 2 traits bleus et une magaine David, une étoile de David,
au milieu, en son centre. Ça nous rappelle un peu le tzitzit ou le talit. Comme ça, on se rappelle qu'il faut bien prier Hachem et le remercier pour la terre d'Israël. Et puis les enfants, vous savez quoi? Ici, en Israël, on a aussi le kotel. C'est le seul morceau qui nous reste de notre Beit Hamikdash, de la maison d'Hachem. Hachem, il a laissé un morceau pour que tous les juifs puissent aller y prier tous les jours. Il y en a plein qui vont prier tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il y a beaucoup de monde qui arrive et qui veulent y prier. Et c'est là-bas qu'Hachem va reconstruire encore une fois la terre, le Beit Hamikdash, sa maison. Eh bien, j'espère, les enfants, qu'on va très bientôt avoir Mashiach et qu'on pourra tous aller en Israël avec le Beit Hamikdash et qu'on soit vraiment tous réunis très bientôt avec le magnifique Beit Hamikdash dans la terre d'Israël. Bonne fête à la terre d'Israël. Joyeux Yom HaAtzmaout.